Maranatha, le Seigneur vient. C'est ainsi que se saluaient, dit-on, les premiers chrétiens. Je suis heureux de reprendre ces mots pour vous saluer. Après le MOOC sur l'Ancien et le Nouveau Testament, puis celui sur les sacrements, dont la vidéo de présentation s'achevait ici même, au pied de la statue du Collège des Bernardins, voici déjà notre troisième cours en ligne, gratuit, ouvert à tous. C'est dire que nous entrons dans une tradition, sans quitter, bien entendu, le domaine de l'innovation. Jésus, l'incomparable, tel est le titre de notre MOOC. Nous le savons, en effet, l'intérêt que suscite Jésus de Nazareth va bien au-delà du cercle des chrétiens. Tout le monde se réclame plus ou moins de lui, tant son témoignage est fascinant, irrécusable, limpide. Mais qui est-il vraiment, au-delà des récupérations partisanes de son message ou de sa personne? Qui doit-il être pour permettre de rendre compte de tout ce qu'il a suscité? Ce que l'Église proclame de Jésus dans le Credo a-t-il de bons fondements dans l'histoire et dans les Écritures? Peut-on dire à bon droit qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant? Avouons que si Jésus n'avait été qu'un prophète galiléen, même un peu plus inspiré que les autres, il y a belle lurette qu'il serait tombé aux oubliettes de l'histoire. Mais voilà, son comportement, ses maximes, son exemple sont sans aucun équivalent. Sa prétention à être de rang divin, mêlée à sa parfaite humilité, la sagesse inaltérable de ses enseignements, jointe à sa tendresse pour les petits, son absolue souveraineté qui s'accompagne de tant de douceur, sa dénonciation virulente de toute injustice, inséparable de sa miséricorde. Tout cela est tellement beau, tellement unique, que son pouvoir de séduction reste intact 2000 ans après. Ils sont rares ceux qui ne savent absolument rien sur Jésus. Souvent, au moins quelques bribes de catéchisme sont accrochées à nos mémoires. Nous essaierons de redonner cohérence à tout cela pour dessiner la figure admirable de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas de dresser le portrait d'un grand disparu, mais de découvrir celui qui est le chemin, la vérité et la vie, et de rejoindre ainsi la foi de l'Église qui proclame Jésus, mort sur la croix et ressuscité au matin de Pâques, l'unique sauveur du monde. La tâche est immense, mais les moyens sont nombreux. Pendant près de 3 mois, vous seront proposées 3 vidéos hebdomadaires de 7 minutes chacune, complétées par des textes de la Sainte Écriture, de la tradition, des pères de l'Église surtout, du magistère et même de la littérature mondiale. On a tant écrit sur Jésus. Le cours s'accompagnera, en outre, de toutes sortes de ressources pédagogiques et d'un forum de discussion sur lequel vous pourrez échanger avec d'autres participants ou moi-même, jusqu'à l'évaluation finale en ligne. Jésus l'incomparable. Il n'est pas simplement le sujet ou la matière de ce MOOC. Il est le vrai maître intérieur qui nous enseignera. Où que nous en soyons de notre foi personnelle, il nous attire, il nous séduit et il parle à notre cœur comme notre Seigneur et notre frère. Alors rendez-vous le lundi 6 mars pour la première séance de notre cours. Mais d'ici là, inscrivez-vous en ligne sur le site www.synode.fr. À bientôt.